Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa Camino a World Cup. Estamos acá con el coach de Martinica y una jugadora. Solen, bienvenidos. Welcome, coach, to the press conference. Today we'll start with some questions right now. First question, please. Hi, good afternoon. What are you feeling about El Salvador as a country? Mes impressions, un petit peu surpris de, par rapport surtout à l'organisation, le fait de voir autant de services d'ordre tout à côté. Maintenant, j'ai eu la chance avec les U20 de jouer à Santo Domingo contre les U20 de Salvador. On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui qu'on est venu ici à Salvador pour essayer de faire un résultat positif. Alors, El Salvador est une surprise pour nous. Es una experiencia suplementaria porque afronta Santo Domingo. Et tu as dit quoi encore? C'est que bon, ça nous permet de voir avec les seniors à quoi s'attendre, surtout le match de demain. Santo Domingo con el selección U20. Sí, oui. Con el señor es una nueva experiencia a descubrir mañana. Great. Thank you. And what is the condition of women football in Martinique? Est-ce que tu penses du niveau de football en Martinique? Football féminin en Martinique, c'est, je ne vais pas dire que c'est un bon niveau, mais nous sommes en train de faire un travail pour nous permettre d'atteindre des niveaux des équipes de la Caraïbe. Sachez que ça fait quand même 3 ou 4 ans, la sélection de Martinique féminine n'a pas joué. Ça a été l'histoire de Covid, et nous sommes en train de reprendre. Et, on voit déjà une petite lueur d'espoir. Et j'espère qu'avec ce match, ça va nous permettre de montrer quand même, malgré les aléas de la vie, on arrive quand même à fonctionner contre les équipes d'abord. Le football de Martinica est une émergencia parce que avec le COVID-19, es muy stop. Se paró con el, se detuvo con el por lo de COVID-19. Sí. En después de 3-4 años trabajan muchos para después de 3-4 años en desarrollar el fútbol. Después de 3 años abrió de nuevo, están aperturando nuevas jugadoras. Para fidelizar para las jugadoras, tomando en cuenta la derrota de Honduras, ¿cuál sería como el resultado del día de mañana? Contra el Honduras, el equipo está muy muy compacto. Tiene una buena conexión juntos. En la falta de eficiencia es enfin contra el Honduras. So mañana después corregir falta. Bueno, que con Honduras tuvieron una falta de integración y pensan que mañana van a jugar de una manera más unida.
Ok. Muchísimas gracias por su tiempo. Con eso concluimos la entrevista con Coach y con Zolén. Muchas gracias. Thank you for your time, Coach. Thank you for your time, Zolén. Muchas gracias. Good luck tomorrow.